to away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un nouveau vlog. Alors on est lundi aujourd'hui, Stacy commençait son stage aujourd'hui, j'étais la déposer tout à l'heure, on verra tout. Je la récupère pour la pause du midi, donc on verra comment ça s'est passé. Et je suis passée directement après à Action et chercher, parce que je ne sais pas si on va pouvoir faire les courses aujourd'hui, donc j'ai été vite fait à Lidl pour aller chercher juste de quoi manger ce midi. Je pense que ce soir je vais prendre un beau coup de boulot. En fait je dois garder Noé à 4h30 qui m'a rendez-vous avec la maîtresse de Léo, donc aller avec les deux petits c'est compliqué, il faut s'en occuper. En même temps la maîtresse vous parle, donc du coup je vais garder garder Noé, donc ça risque d'être un peu la course pour ce midi pour aller faire les courses, donc je vais reporter. Bref, donc du coup je suis passée à Action. En fait je voulais un agenda qui commençait par là, mais il est en fait pour les vidéos, pour pouvoir m'organiser et tout, et j'en ai pas trouvé. En fait je cherche un agenda avec une page, un jour une page, vous voyez. Et là c'était tout des choses qui commençaient en septembre, donc je vais attendre parce que là c'est des trucs scolaires, je vais attendre encore un petit peu parce que je vois pas vraiment ce que je voulais. Mais je me suis pris un calepin en attendant avec des intercalaires, comme ça je vais bien pouvoir tout noter et tout pour pas m'embrouiller l'esprit. Et en même temps j'ai pris des crayons de bois. Hier Stacy m'a demandé des crayons de bois et là je suis tombée sur ceux-là, ils sont trop jolis. J'ai pris aussi un taille crayon, c'est pour mettre en bas à côté de mon bureau. Et j'ai repris aussi des feutres comme ça parce qu'il y a un peu plus de couleurs, et moi j'aime bien justement quand je dois m'organiser comme ça mettre des couleurs pour bien. Enfin, je vous ai déjà montré avec mon agenda, hein, chaque ordre de tâche a une couleur. Par exemple, tout ce qui est rendez-vous, ça va être du rouge. Tout ce qui est pour moi, ça va être une autre couleur. Pour ce qui est Greg, c'est une autre couleur. Enfin, voilà, comme ça, je visualise bien sur mon agenda. Et j'ai pris aussi des cacahuètes salées. Non salées, pour faire du beurre de cacahuète. Et ensuite à Lidl, franchement j'ai fait le tour, il n'y avait rien dans les rayons, je me suis creusé la tête et après j'ai vu ces pains là, et la dernière fois je suis tombée sur une recette de pain qu'ils avaient garni à l'intérieur un peu comme un sandwich, donc on va tester ça. J'ai pris ça, j'ai pris des aiguillettes de poulet mariné, je vais mettre ça dedans avec j'ai encore de la salade, des tomates, enfin voilà, je ferai ça. J'ai repris de la poudre de noisette parce que je l'avais utilisé la dernière fois, je ne savais pas si j'en avais encore. Et j'ai refait le plein de parfum pour Greg. Je vous ai déjà dit, Greg, il le boit, le parfum. Donc du coup, quand on achète du vrai, ça revient très très cher. Enfin, du vrai. Je veux dire, là, c'est des dupes. Et franchement, ceux de chez Lidl, ils sont vraiment très bien. À un moment, on allait dans un magasin à côté de Famille Flora, en fait, il y a un magasin de sacs et ils vendent aussi des parfums comme ça, des dupes comme ça. Ils sont à 5-10 euros la bouteille. Et la dernière fois, j'ai testé, en fait, j'avais entendu du bien de chez Lidl, de ceux de chez Lidl, et j'ai testé. Et franchement, ils sont. Ouais, je trouve qu'ils sentent bien, enfin, longtemps même sur Greg et tout. Et ça sent bien le. Voilà. Et puis, comme je vous dis. Après Greg, c'est impossible qu'il sent pas le parfum parce qu'il en met dès qu'il doit franchir la porte de la maison. C'est devenu un toc quoi, en fait. Il se met du parfum, il y en a dans son sac et puis il sait pas sortir. Mais il y a deux mois même pour aller promener le chien, pour aller au potager, pour voilà, dès qu'il franchit la porte de la maison, il se met du parfum. Je sais pas, comme je l'ai dit, ça devient un toc. Mais du coup les bouteilles elles défilent quoi, en fait. Donc ça c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà pour les petits achats du jour. Là je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Et ensuite je vais passer ma matinée sur le PC en attendant d'aller rechercher Stacy. Il faut que je monte la vidéo, finisse de monter la vidéo de ce week-end pour vous l'ayez ce soir. Et je voudrais aussi commencer le montage de la vidéo de mercredi. Allez, je range ça et puis je déjeune. Bah, j'ai été récupérer Stacy. Son stage s'est très bien passé. Je pense que ça va, elle va kiffer ces 15 jours. Bref, j'ai préparé à manger. Wachum, à tes souhaits. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris le pain style turc, là, que j'ai acheté.
Avec le poulet, j'ai fait revenir le poulet, j'ai mis du fromage, enfin j'ai fait cuire un peu le pain, j'ai mis du fromage, du poulet, salade, tomate, ça fait comme un gros burger en fait, qu'on va couper en part. Voilà, Greg est rentré, j'étais redéposée Stacy, elle avait hâte d'y aller, j'ai l'impression que ça va être un chouette moment pour elle, c'est 15 jours, ça a l'air de bien se passer, c'est cool. Là je suis en train d'encore bosser sur le PC, j'aurais fait que ça aujourd'hui, mais j'avance un max pour mercredi. Je suis en train de monter la vidéo sur les boulettes, donc il y a énormément de travail parce que 3 recettes, donc 3, voilà. Bref, donc j'avance dessus. Et petite collation avec le café. Café. C'est le cappuccino, en fait j'ai plus de lait donc j'ai mis un peu de crème dessus. Carré de chocolat et de noix du Brésil. Alors je sais pas si vous connaissez les propriétés, je vous en ai déjà parlé. Hein. Mais les noix du Brésil sont très riches en sélénium. Et le sélénium c'est... Alors je vais regarder hein, sur Google pour vous dire les propriétés du sélénium. C'est un immunomodulant. Ça module les réponses inflammatoires et immunitaires, un antioxydant, un détoxifiant hépatique, ça aide aussi pour la thyroïde, et après c'est pour la fertilité. Alors moi c'est pas pour tout ça, hein, mais c'est pour booster mes défenses immunitaires, etc. etc. Donc voilà, et puis en plus ça joue aussi sur le stress olfactif, sur les états un peu stressants et tout, et moi comme je suis une personne qui est toujours assez stressée, voilà, ça voilà, c'est juste deux petites noix, faut pas en prendre trop, juste deux, c'est suffisant pour, je crois que ça couvre 56% des besoins, et en fait le sélénium on l'en trouve pas partout, donc du coup c'est bien de manger des aliments qu'ils en contiennent. Bref, allez, je vais retourner sur mon PC. Greg, là, je me suis fait un café et la cafetière demande à des tartrets, donc du coup en fait celle-là, faut souvent la détartrer quand même, hein chéri, ouais. Tous les mois, je pense. Bon. Bah ouais, parce qu'on l'a fait il y a pas longtemps en fait. Hein. Mais bon, dans l'instant, je préfère souvent la détartrer. Nous, on a une eau ici qui est très calcaireuse. Et pourtant, on met des filtres. Et je me demande si c'est pas à cause de ça que l'autre a vite grillé. Parce qu'en fait, là, malgré les filtres, il faut quand même la détartrer tous les mois, alors que l'autre, quand on mettait le filtre, c'était tous les 6 mois hein, qu'il fallait la détartrer. Ouais. Donc comme on a une autre vachement calcaireuse, je me demande si c'est pas ça qui a fait que... Enfin bref, donc du coup, elle le demande, on le fait. Je t'ai récupéré Stacy, on a été récupérer Noé aussi en même temps pour éviter que Kim vienne par la maison, parce que si elle venait par la maison, Léo n'aurait pas voulu... aller avec eux, et on a été faire 2-3 courses avec Noé du coup pour demain, parce qu'en fait d'habitude on fait des courses les lundis, mais aujourd'hui c'est pas possible. Demain Quentin a besoin de Greg, donc demain après-midi ce sera pas possible. Mercredi je dois aller faire les... j'ai un truc avec mes parents, je dois aller faire les courses aussi avec ma mère, donc du coup on fera pas les courses avant jeudi. Donc j'ai été chercher juste 2-3 trucs pour tenir jusque jeudi midi quoi, en fait à grand frais. Alors j'ai pris le pain pour faire les pizzas. On va faire aussi une... Ah, Stacy m'a réclamé un sandwich à l'œuf, donc pour le midi. Après il me restait du poulet, je vais faire du poulet à l'espagnol. Enfin bref, voilà, j'ai de quoi tenir jusque jeudi midi. Et là Kim vient de repartir avec Léo, elle doit aller faire resserrer ses lunettes. Par contre il y a du mal, il veut pas trop les garder ses lunettes. Il veut pas trop les laisser sur ses yeux. Marine m'a fait les spaghettis. Ce soir c'est spaghettis, on a sorti beaucoup de boulot, et puis en fait à grand frais j'ai acheté des courgettes, vous voyez les spaghettis de courgettes comme ça, je vais juste les mélanger dans l'eau de cuisson des pâtes, je vais faire cuire un peu les pâtes et je rajouterai la dernière minute les spaghettis de courgettes, puis on mangera ça avec de la bolo. On va manger, donc du coup spaghettis avec les courgettes et puis la bolo. Les courgettes par contre ça cuit vraiment très très vite, hein. J'ai mis à peine une minute, alors sur certaines ça va, mais il y en a d'autres c'est déjà un peu limite bouillasse. On finit de manger, ça fait un moment, je viens de finir le dernier épisode de la saison, je sais plus combien, de New Amsterdam. Il fait noir, mais il fait pas encore noir dehors. Il fait noir dans la maison. Ça m'a fait bizarre de passer la soirée dans le canapé avec Greg sans me dire il faut que tu fasses ton montage, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Juste, voilà. Bon, même si Greg dort,
Voilà, j'étais à côté de lui allongée. Bon, allez. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Là, je vais aller prendre ma douche et aller me coucher. Bonjour tout le monde. On est mardi. Mardi gris, mais il fait lourd, je trouve. Il fait lourd dans les maisons, même. Je viens de finir... Enfin, j'ai fait mes routines et tout, et j'avais chaud, quoi, en fait. Du coup, j'ai tout ouvert. Bon, j'ouvre toujours hein, pour aérer un petit peu, mais là, du coup, j'ai laissé ouvert. Je viens d'aller déposer Stacy sur son lieu de stage. J'avais un petit peu peur que... Parce que ça chamboulait un petit peu ses habitudes et tout. Et en fait, compte, ben... Elle adore. Comme quoi qu'elle va beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est un grand soulagement. Bon, allez. Je suis en train de boire un petit verre de kéfir. Bon. Plus une tasse. Programme de ce matin. Il faut que je bosse sur la vidéo de demain. Que je la finisse. Enfin, que je la finisse. Je pense que j'aurais pas fini ce matin. Parce que j'ai encore tout la voix off à faire. Et je dois faire aussi les petits rushs de départ entre les recettes et tout. Donc, je vais faire ça ce matin. Je vais me consacrer à ça. Et puis après, cet après-midi, il faudra que je fasse du montage. Donc, ça va encore être une journée grave PC. Bref, allez, d'abord on va petit déjeuner. J'ai été récupérer Stacy à son stage. J'ai bossé toute la matinée. Et encore, ça serait moi, je retournerais. J'adore. En fait, je fais du montage, mais du coup, je peux me mettre à fond dedans. J'ai l'impression que cette organisation va un peu plus me convenir parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir plus de temps pour pouvoir faire mon travail en fait. Clairement, sans que ça empiète du coup sur ma vie de famille. Enfin bref, on va pas lancer la peau comme on dit parce que hier je me suis mis un petit coup de pression. En fait, je vais mettre en place un calendrier, enfin un agenda. Avec des plages où je bosse, des plages où je suis. Parce que comme hier, à 5h, quand je suis rentrée, je me suis dit, ah, je vais rebosser, je vais faire ça, c'est ça. Et en fait, au lieu de me dire, bah non, stop, ne fais pas, ça sert à rien. Même hier soir, hein, j'ai dû me stopper pour m'asseoir dans le canapé avec Greg, comme tout ce que je devrais faire tous les soirs, quoi, voilà. En fait, c'est ce que je vous disais, chose que beaucoup n'avaient pas compris, en fait, dans ce le pourquoi de moins de vidéos, c'est juste pour pouvoir faire, vous proposer autre chose, mais sans que ça empiète sur ma vie de famille, et au contraire que ça me libère peut-être même du temps. Et voilà, enfin bref. Alors, j'ai été rechercher Stacy. Ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais fait cuire des œufs. Alors, Stacy m'avait demandé la salade d'œufs, celle que je mets d'habitude dans mes clubs sandwich. Et j'en ai profité parce que Marine n'est pas là cet après-midi. Elle mange pas à la maison, elle mange avec une des amis à elle. Donc du coup, je me suis dit, on va faire la salade d'œufs parce que Marine ne peut pas manger d'œufs. Donc quand c'est comme ça... Alors en soi, ça ne nous empêche pas d'en manger. Hein, c'est juste parce que quand c'est comme ça, ben, il faut que je prévoie autre chose. C'est un peu plus... voilà. Donc parce que ben, après, ça la dérange pas. Mais vous voyez, comme là, salade d'œufs, ben, où j'aurais pu mettre du fromage ou à la place, quoi, en fait. Enfin bref. C'est parce que j'aime bien quand on mange tous la même chose, quoi, en fait. Mais bon. Alors, salade d'œufs, je vais vous expliquer ce que j'ai mis dedans et ce que je mets dedans. Là, je la fais très simplement, œufs durs. Alors moi j'aime bien faire moitié mayo, moitié skyr, mais à vous de voir, vous pouvez faire que mayo hein, si vous voulez. Là moi j'ai mis 40 g de mayo pour 6 œufs. Ouais c'est ça, j'ai mis 40 g de mayo, 40 g de skyr, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, de la ciboulette que j'ai pris sur mon étagère à épices, à herbes aromatiques dehors. Une cuillère à café d'échalotes lyophilisées, du sel et du poivre. Voilà. Je vais rajouter mes œufs écaillés et je vais tout écraser à la fourchette pour garder les petits morceaux à l'intérieur. On va mettre ça dans de la baguette avec tomates, salade. Et voilà, ça ira très très bien. Il y a une recette, si vous souhaitez, sur le blog. Il y a une recette dans laquelle je rajoute des poivrons et du bacon. Elle est vraiment très très bonne aussi celle-là. Il fait très sombre, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir là. Il va tomber une belle averse, je pense. Ce matin, j'avais l'impression qu'il faisait beau, qu'il allait faire beau, mais c'est pas encore ça chez nous. Hein. Je sais pas chez vous, mais chez nous, logiquement, semaine prochaine. Alors, est-ce que vous connaissez la technique pour casser les œufs? En fait, moi, avant, je les ai caillés, vous voyez, comme ça, en prenant un morceau et tout. Mais à chaque fois, bah, tout, il s'enlève. En fait, le truc, c'est de venir casser toute la coquille en la tapant de partout.
Alors en plus là moi c'est des œufs bien bien frais parce que c'est des œufs de chez mes parents. Donc souvent ils sont galères à éplucher. Donc vous venez tout bien taper l'œuf. Donc du coup vous avez plein de petites miettes de coquilles de partout. Et là en fait il faut choper la peau qui est en dessous. Et là ça s'écaille tout seul. Regardez, ça s'épluche limite. Voilà. Ça va tout seul. Alors qu'avant je galérais parce qu'en fait les œufs, ben ça se cassait quoi. Enfin, il y a des morceaux qui venaient avec la coquille et tout. Enfin bref. Hop, voilà. Je mets tout dans mon saladier. Et je viens les écraser. Comme je vous ai dit, j'écrase avec une fourchette parce que je veux garder des petits morceaux. Vous voyez, avoir de la texture. Si je le fais au robot, ça va faire une purée, quoi, en fait. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Alors, le truc qui fonctionne bien aussi, c'est le truc à purée. Vous voyez, pour écraser la purée, là. Ouais. Vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, les blancs, les jaunes se sont bien mélangés, mais on a tous des petits morceaux de d'œufs, de jaune d'œuf, ouais, en fait, à l'intérieur. On va manger. Ensuite, faut que je raccompagne. Enfin moi et Stécie. Greg mange en rentrant, mais je mange avec Stécie. Enfin je mange avant. Je mange pas avec Greg le temps que Stécie est en stage, parce que comme je vais la reconduire à 13h30 quand je rentre. En fait je suis déjà partie quand Greg rentre, quoi, en fait. Et quand je rentre, souvent il a fini de manger. Je suis en train de regarder dehors, c'est une horreur. Il pleut, mais il faisait beau pourtant ce matin. Là c'est la grosse averse. Enfin je sais pas si vous voyez, mais ça arrête pas, quoi. Je suis même en train de me demander si je vais pas changer de chaussures, du coup. Oh. Logiquement, ça, il revient ce week-end. Logiquement. Le soleil revient logiquement ce week-end. Il est 17h. Je vous ai un petit peu abandonné toute l'après-midi. Ça y est, mon montage de ma vidéo pour demain soir est fini. Je suis en train là de la compresser. Enfin, voilà, de mettre... Enfin, c'est le logiciel qui fait, c'est pas moi. Mais il est en train de mettre tout bout à bout, tous les petits trucs que j'ai rajoutés pour former une seule vidéo. J'ai fait du PC toute la journée. Ça va, j'ai pas mal à la tête. Du coup, Greg, cet après-midi, il a été donné un petit coup de main à Quentin parce qu'ils ont enlevé leur lave-vaisselle qui était HS. Donc du coup, ils ont été en recherche un nouveau et il fallait reporter le lave-vaisselle. Enfin, ils reprenaient leur lave-vaisselle. Donc pour porter le lave-vaisselle, il faut mieux être deux, surtout avec les quatre étages. Donc il a été lui filer un coup de main et ensuite, il a été récupérer Stécie à son stage et là, ils viennent de rentrer. Par contre, Greg est reparti parce qu'il a vu une... En fait... Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait notre imprimante. Alors déjà depuis quelques mois, hein, ça, qui déconne, elle n'imprime plus le bleu. Alors on arrivait à s'en sortir plus ou moins, mais ça commence à devenir casse-pied parce que du coup, à chaque fois, on est obligé de soit d'imprimer en noir et blanc. Enfin voilà. Donc, et là, il y en a vu une, toujours de la marque HP, au magasin là où Quentin Electro Dépôt, ouais, où ils ont acheté le lave-vaisselle à 69, je pense. Donc il est parti la chercher parce que là, comme je l'ai dit, j'ai des trucs à imprimer et c'est casse-pied, quoi, en fait, parce que les couleurs ressortent pas bien. La dernière fois, j'avais imprimé des trucs pour Léo. Le pauvre, son cochon, il ressemble, enfin non, son rhinocéros ressemble à un cochon parce qu'il était aussi rose que le. Parce qu'il n'y avait pas de bleu. Enfin bref, donc du coup, il est parti rechercher. Alors, on revoulait une HP parce qu'on a Instant Link, nous, on trouve ça trop pratique. Je le conseille à tout le monde. Là, je sais que ma soeur aussi vient de le faire récemment. C'est trop bien, vous avez plus à vous occuper des cartouches, vous prenez l'abonnement qui vous convient, enfin voilà. Donc du coup nous on adore. On cherche plus à imprimer, à se demander si on doit imprimer en noir et blanc ou en couleur ou quoi que ce soit. Donc oui, il est reparti, on voulait une HP, donc là c'est encore une HP qui est partie chercher. Bon allez, je vais commencer à préparer le repas pour ce soir. Ce soir je fais le rôti, non pas du tout, c'est du lard croustillant. J'ai une recette que je vous ai déjà partagée qui est toute simple. Il suffit d'avoir 3 ingrédients. De la poitrine de porc, vous voyez, avec la couenne et tout là. Du sel, de l'huile d'olive. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. En fait, c'est une recette qui cuit. Alors, ça cuit longtemps, mais on a une... Alors, moi, je mange pas la couenne, mais comme Greg, Stécie, les enfants mangent la couenne. En fait, elle devient tout croustillante. Donc, on a...
peau qui est croustillante et l'intérieur qui est tout moelleux, tout tendre. C'est vraiment très très bon. Je vais faire ça avec du riz et puis des petits légumes que j'avais acheté à grands frais hier. J'avais acheté un mix de légumes qui était aussi en promo. Alors je l'avais mis en congélateur parce que je me suis dit, je savais pas si j'allais le faire aujourd'hui ou demain. Vous voyez, ça fait style ratatouille. Je vais le mélanger avec le riz en fait. Enfin, style ratatouille, pas vraiment parce que c'est juste de la courgette et des poivrons rouges et jaunes. Il n'y a pas d'aubergine, il n'y a pas de tomate dedans. Donc c'est loin d'être une ratatouille, Sandra. Allez, je vous montre du coup pour le... Du coup, on prend le morceau de lard, on le prend... Enfin, on prend le côté peau et on va venir faire des petites incisions comme ça. C'est pour faciliter après, parce que la peau, elle est très croustillante. Donc pour le couper après, c'est plus simple. Parce que autrement, ça va se comme casser, quoi, en fait. Tellement que ça vient... C'est limite comme une chips, après. Donc je vais faire un petit croisillé, quoi, en fait. Un croisillon d'un côté et de l'autre. J'ai mon couteau, il demande à être aiguisé. Oh bah alors, dis donc, j'ai trop parlé en fait aujourd'hui. J'ai trop parlé sur le micro. Alors je bégayais, je devais refaire. Bon, je pense qu'il coupe rien du tout. Voilà. J'ai pris un autre couteau et je l'ai aiguisé parce que j'y arrivais pas non plus. En fait, la peau est très dure. Donc je fais dans un sens et dans l'autre. Sel, poivre. J'ai fait les entailles, sel, poivre, de l'huile d'olive, on va venir bien masser et on met, alors c'est juste ça, hein, et on met le morceau de lard du coup côté peau en dessous et on fait cuire dans un four préchauffé à 180, alors la cuisson elle est longue, hein. Au plus votre morceau va être long, au plus faut compter un bon, là je vais compter un bon 3 quarts d'heure, mais quand votre morceau est très très grand, il faut bien compter une heure. Ensuite on va venir retourner. On augmente la température du four et on refait cuire une heure. Et là, la peau, elle va devenir toute croustillante. Voilà, j'ai sorti le cuiseur vapeur. Du coup, j'ai mis volume de riz pour volume d'eau. J'ai rajouté un cube de bouillon, un peu de poivre, de sel. J'ai mis le mélange de légumes là que j'ai acheté, donc c'est courgettes et poivrons. Il me restait une petite brique de tomate, de purée de tomate là qui était attamée. Je l'ai mis dedans et c'est tout. Ouais. Ouais, c'est tout. Voilà, et je vais laisser cuire. C'est pratique. Franchement, alors je ne vous ai pas fait de retour dessus, mais c'est vraiment très très pratique. Parce qu'en fait, moi à chaque fois, je faisais déborder mon riz. À chaque fois, je me retrouve avec de l'eau partout. Là, il n'y a pas de souci. Alors là, c'est la première fois que je fais cuire directement des légumes avec le riz. La dernière fois, j'avais fait un riz comme ça, sauté, mais j'avais d'abord fait cuire mon riz. Et ensuite, j'avais fait revenir, vous voyez, j'avais fait revenir mes légumes et j'avais rajouté de la sauce soja, des trucs comme ça. Là, j'ai tout mis dedans. Ça faisait 45 minutes que mon... C'est dans le four, que mon lard était dans le four. Donc j'ai augmenté ma température à 200 degrés et je l'ai retourné. Et c'est reparti pour à peu près 45 minutes. Comme je vous ai dit, 45 minutes, voire une heure, ça dépend de la grosseur de votre morceau de lard. Greg est entré et il a pensé à moi. En même temps, alors j'espère que j'aurai plus de soucis avec ma carte du coup. Il m'a arraché une carte SD, je vous avais dit, à chaque fois elle buguait, à chaque fois on oubliait d'en acheter une. Hop, ah. Alors, on verra si ça le fait plus. Parce que c'était cassé, et de moi je parlais, et puis d'un seul coup, il y avait un message qui bloquait en fait sur mon. Comme quoi que l'écriture était trop lente sur ma carte, et du coup ça a bloqué, et il fallait que j'attende au moins 2-3 minutes pour que ça passe le truc, parce que j'arrivais même pas à éteindre rien du tout mon appareil. Bon, on va se laisser cette imprimante du coup. Elle est un peu plus petite que l'autre, j'ai l'impression. Non, j'ai changé de carte, on verra si ça va. Par contre, je regarde celle-là parce qu'il y a tous mes rushs depuis le début de la semaine. Oh, ça y est. Elle est mise et elle est connectée. Et en fait, je pensais qu'on allait perdre du coup parce que quand on achète une nouvelle imprimante, souvent on a le droit à 3 ou 6 mois. Là, c'était 3 mois d'Instant Link, donc de l'impression gratuite. Et en fait, nous, comme on avait déjà l'Instant Link, on a fait un changement
d'impression pour garder le même forfait qu'on avait et pas perdre, parce qu'en fait l'Instant Link, quand vous avez un quota de feuilles à imprimer, si mettons vous imprimez pas tout, vous cumulez, vous pouvez cumuler jusqu'à un certain nombre. Par exemple pour le forfait avec 100 pages, si mettons vous imprimez que 40 pages, ben les 60 autres pages, vous pouvez les cumuler jusqu'à 300 pages dessus. Donc du coup on avait dit bon, on va pas changer de forfait quoi, en fait on va garder le même, comme ça on garde nos pages qui sont de côté, et en fait compte ben on a quand même eu les 3 mois gratuits avec l'imprimante malgré qu'on a changé juste d'impression et tout, donc cool. Bah ouais peut-être, non mais je pensais qu'on l'aurait perdu quoi en fait, mais non. Bon allez, on va manger. Du coup ça y est, je peux réimprimer du bleu et du vert et d'autres couleurs, le violet et plein de trucs. Léo va pouvoir avoir des rhinocéros pas qui ressemblent à des cochons. Donc je vous montre au niveau de la cuisson, vous voyez c'est super bien cuit à l'intérieur, c'est bien tendre et tout, et la croûte elle est très très croustillante. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars, shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of. C'est le retour du soleil. Bon, juste pour aujourd'hui, parce qu'il nous annonce de la pluie demain. Mais logiquement, à partir de dimanche, je pense que il devrait s'installer pour quelques jours. Hein ? Parce que là, franchement, on est encore en train de fermer. On s'habille encore limite en automne, parce qu'il fait pas super chaud. Enfin, bref. Hein ? Alors, je vous prends part. Il est 11h30. En fait j'ai continué à bosser, je vous ai mis la vidéo en ligne pour vous ce soir, donc du coup vous l'avez déjà vu, logiquement, si ça peut encore être le cas, allez la voir, j'ai travaillé beaucoup dessus, je viens de faire la miniature et tout, je vous ai mis aussi du coup les nouvelles fiches recettes, comme je vous ai dit dans cette vidéo, c'est le retour des fiches recettes avec ça, nouvelles fiches recettes avec un flash code qui vous permet de flasher et de retomber directement sur la vidéo qui correspond. Alors ça faisait un moment que je pensais le faire, mais je pouvais pas le faire parce que la recette était noyée au milieu d'un vlog quoi en fait. Là le fait d'avoir la recette à part, voilà, ça va directement dessus. Et en plus sur la vidéo, comme il y a 3 recettes dedans, je vous ai fait des chapitres en fait dessus, donc du coup la vidéo est segmentée, donc quand vous flashez le flash code, vous allez tomber sur la vidéo et vous pouvez directement sélectionner le chapitre qui correspond à la recette que vous recherchez. Donc voilà, tout ça est fait ce matin et j'ai aussi répondu à tous vos coms. Là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer le repas de ce soir. J'ai oublié de sortir mes cuisses de poulet, mais c'est pas grave, dans un sens c'est peut-être mieux, parce que c'est un plat que je vais faire au four. Je vais faire un peu comme un poulet à l'espagnol en fait, avec des poivrons, du chorizo, je vais mettre des pommes de terre dedans aussi, mais je vais le faire cuire je voudrais le faire cuire au four, et comme cet après-midi je suis pas là, ce que je vais faire c'est que je vais programmer mon four, et comme les cuisses sont encore congelées, elles auront le temps de se décongeler tranquillement jusqu'à tout à l'heure que mon four se mette en route, ou je le mettrai au frigo et je demanderai à Stécie de le mettre dans le four qui sera programmé quoi en fait. Parce qu'elles, elles ont du mal. Enfin, elle a du mal un peu avec le four. Vous savez que si on ne le connaît pas, il y a plusieurs en fonction, il y a plusieurs trucs, donc elle ne sait jamais quel truc il faut mettre. Alors, par contre, je vais peut-être avoir du mal à la décoller. Hop là. Ouais, donc cet après-midi, je passe l'après-midi avec mes parents. Il y a un prestataire qui va venir chez eux et du coup je voudrais être là pour être sûre que voilà, tout se passe bien. Et ensuite c'est le dernier logiquement prestataire qu'on met en place pour le retour de papa à la maison quoi en fait, pour les aider au mieux dans leur quotidien. Donc ça, et puis je vais aller faire les
course logiquement avec ma mère aussi. Je pense. À moins qu'elle veuille y aller demain. Et il faut qu'on aille aussi au traiteur aussi aller rechercher, à moins qu'elle veuille y aller demain aussi. Par contre, j'ai eu un message de Greg. Il a une charge de travail phénoménale. Et du coup, demain, il y a une réunion qui doit être là. Enfin, il doit être présent, donc il change ses horaires. Il fait de journée. Et il travaille samedi. Les vacances vont être les bienvenues, je pense, aussi pour lui. Parce que là, je pense que jusqu'aux vacances, eh ben, ça va être chaud, chaud, chaud. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes en Belgique comme ça. Au lieu de... Ils ferment pendant une période pour permettre la maintenance, je peux dire ça, de mettre, enfin de tout réparer ce qu'il y a à réparer, tout nettoyer, enfin voilà, des choses comme ça et tout. Donc en fait, l'entreprise est fermée sur 15 jours. Sur 15 jours, et après il y a une semaine avant, une semaine après, où souvent c'est juste quelques petits services dans la boîte qui sont encore ouverts. Il y en a certains qui ferment un peu plus tard, mais du coup il y a forcément 4 semaines où l'entreprise marche au ralenti. Donc du coup à chaque fois cette période là il faut qu'il y a plein de trucs qui soient bouclés pour pouvoir permettre ce fonctionnement au ralenti et cette fermeture aussi de la boîte, sans revenir au mois de... enfin, parce que là, ça ferme entre mi-juillet et mi-août, pour que quand la reprise se passe pas trop dans le rush, quoi, en fait. Bon, allez, on va s'occuper de son poulet. Solidariser, mais au fur et à mesure je vais venir mettre les cuisses de poulet. J'ai rajouté des courgettes dedans parce qu'en fait il me restait des courgettes des pizzas que je suis en train de faire, donc j'ai juste mis mes cuisses de poulet. Au niveau des épices, c'est, ben, je vous l'ai montré, hein, épices à paella, du paprika fumé, de l'ail, du sel, du poivre. J'ai mis un oignon, chorizo, poivron, courgettes, et j'ai mis une boîte de concassé de tomates, enfin de pulpe de tomates, et un fond de bouteille de vin. Il restait peut-être ça dedans. Je vais arroser ensuite, une fois que mes cuisses de poulet seront désolidarisées. Je vais mettre de l'huile d'olive et ça va partir au four à peu près 3 quarts d'heure. Je vais servir ça avec du blé, je pense, ce soir. Ça ira très très bien. Et pour ce midi, c'est des pizzas. Alors j'ai laissé tomber, hein, le fait d'essayer de les faire moi-même. J'y arrive pas et je me dis que voilà, la compo elle est bonne et tout, ça me fait un repas qui est rapide, qui va très, enfin voilà, pratique, donc je j'achète. Donc oui, la pâte à pizza, donc c'est les pâtes à pizza de chez Grand Frais, elles sont vraiment très très bonnes. C'est pas de la pizza, hein, c'est de la pizza, la pâte est un peu plus levée, c'est de la pâte fermentée au levain.
fermenté 72 heures. Franchement, la compo, elle est vraiment très très bonne et c'est vraiment très très bon. Et là-dessus, j'ai mis de la sauce tomate. Donc pareil, c'est la sauce tomate, tomate basilic de chez Grand Frais. Il y a du pesto, des carrés de courgettes, des tomates cerises coupées en deux, de la mozzarella. J'ai fait les trois mêmes. Et ensuite, au-dessus, je mettrai un morceau de burrata sur le dessus une fois qu'elles sont cuites. Voilà, pour le repas de ce midi. En fait, ces pâtes-là, je les trouve trop pratiques parce que vous mettez ce que vous voulez dessus. Et en fait, c'est un peu plus épais que la pâte à pizza. Et puis, comme je vous ai dit, le goût, c'est entre le pain, entre la focaccia et la pâte à pizza. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais elles sont vraiment très très bonnes. Ma... après-midi qui est... Pouf, je vous explique. En fait, en allant du coup chez mes parents cet après-midi, je dépose Greg au potager. Pendant ce temps-là, moi, je vais du coup jusqu'à chez mes parents. J'avais fait à peine quoi? Peut-être 500 mètres, hein, chérie? Un peu plus, 1 km. J'avais peut-être fait 1 km. J'entends un... Pouf! Et puis d'un seul coup, la voiture qui me dit pression des pneus, voilà, sur le pneu... gauche, droit, derrière. Je me mets sur le côté, mon pneu complètement à plat. Du coup, j'ai appelé au secours Greg. Il a été voir pour changer le pneu et en fait, il est complètement naze le pneu. Il y a un gros, une grosse vis hein, qui est rentrée, mais on dirait un gros clou en fait. Mais vraiment avec une grosse tête quoi en fait. Et en moins de deux, hein, j'étais à plat en moins de deux. Même pas, vous voyez, même pas le temps de... Non, c'était direct à plat. Donc du coup, il faut changer les pneus. Quand vous en changez un, vous devez changer deux. Parce que voilà. Et encore, nous, c'est pas les cartes roues motrices, donc ça va. Et en fait, ben, les pneus, comme notre voiture, elle a un peu... les pneus, en fait, c'est des gros gabarits. Et du coup, ils les ont pas en stock. La voiture est immobilisée jusque vendredi. Je suis... contente. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai fini à pied jusqu'à chez mes parents et Greg a dû venir à pied jusqu'à me rejoindre pour la voiture. Donc après, on a téléphoné au secours Angel parce que quand même revenir à pied de chez mes parents à ici, ça fait quand même un petit bout. Donc Angel est venu nous rechercher avec Marine et j'ai été à Action parce que il me fallait du papier toilette. Ça pouvait pas attendre. Donc j'ai été chercher du papier toilette. Je suis tombée sur... alors Kim, elle avait besoin d'un petit sac à dos pour Léo faire sa rentrée d'école. Et à Action, ils ont sorti des petits sacs à dos comme ça. Alors vraiment des tout petits. C'est pour les petits quoi en fait. Ils sont trop mimi. Il y avait trois modèles. Alors je vais faire montrer les trois modèles. Enfin, il y en a même plus parce qu'il y avait un modèle fille aussi. Avec des petites fleurs. Il y en avait un avec des petits hérissons beige. Et il y en avait un avec des petits soleils et tout aussi dans les tons un peu beige. Et du coup, elle m'a demandé d'en prendre deux puisque Noé rentre aussi à l'école l'année prochaine. Donc Léo va pouvoir l'utiliser pour sa fête là. Et elle va le garder pour la rentrée tous les deux. Ils étaient pas chers en plus, ils étaient à 3,69. Alors c'est juste pour mal voyer le change ou les choses comme ça qu'ils ont besoin à l'école. Nous, à l'école, ils ont besoin de prendre un petit goûter. Alors ils ont droit à une collation, mais c'est que des collations style fruits coupés, légumes, morceaux de fromage. Enfin voilà, des choses comme ça. Ils ont droit au gâteau et tout. Et ensuite, j'ai racheté... de la colle parce qu'en ce moment ceci l'utilise pour le truc vous voyez à découper là et j'ai racheté aussi du papier comme ça film pour plastifier les fiches recettes et j'ai retrouvé l'agenda que j'avais vu la dernière fois et que je ne retrouvais plus. C'est un agenda en fait avec alors moi c'est pour le travail, ça va être pour noter tout mes ma planification au niveau des vidéos et tout. En fait, donc il y a des petits intercalaires sur le côté. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un jour une page. Donc du coup, je peux bien tout blablater sur tout ce que j'ai à faire. Et ouais, il y a l'air d'être pas mal. Il y a un petit marque-page. On a une petite pochette à la fin. Mais ouais, j'allais pouvoir écrire vraiment tout mon contenu de ce que je veux mettre dans la vidéo, mes petites idées et tout. Voilà. Et faire ma planification. Et en fait, il y avait la petite pochette qui allait avec. Pour. Vous voyez, c'est un organisateur. Alors, si vous le voulez, allez assez vite parce que je pense que ça va vite partir. Là, déjà, c'était le dernier. Pareil que l'agenda.
Alors les couleurs, ils étaient. J'ai pris un qui me. Oui, goût perso, paraissait les plus beaux. Voilà. Et ensuite j'ai repris, vous voyez les éponges comme ça, la gratte-gratte, avec. J'aime bien pour nettoyer les plaques de mon four. Ah, c'est Kim. Et j'ai pris aussi du détartrant aussi pour mon four aussi. Parce que j'ose pas mettre du. De l'acide citrique dedans. J'ai peur de le boucher avec les petits. Le poulet est cuit, par contre, le poulet a rendu quand même pas mal de. Je devrais goûter un peu les légumes, quoi. C'est un peu. Bref, pourtant j'avais pas mis beaucoup d'huile, mais. Donc, poulet avec le chorizo et j'ai fait cuire du blé dans le rice cooker. Et bien, franchement, ça fonctionne super bien. Hier, j'avais fait du riz avec les légumes et tout, ça a fonctionné aussi super bien. Et là, le riz, c'est du riz du lait blé, là. Ouais, nickel. Au niveau du dosage, même pour le blé, j'ai mis l'équivalent un pot et un verre d'eau. Vous voyez, à chaque fois, enfin le même pot, le même volume, un volume, coucou, un volume. Quoi, en fait. On est jeudi aujourd'hui. Alors, Greg est parti au travail, Stécie est partie à son stage, Marine s'est proposée du coup, comme j'avais pas de voiture, d'aller la déposer. Alors logiquement, aujourd'hui, on devait faire les courses, parce que j'ai pas eu le temps toute la semaine de les faire. Et en fait, on ne va pas les faire aujourd'hui non plus. Donc je pense qu'on ira tout à l'heure faire 2-3 courses. Je vais voir avec Angel ou quoi. Enfin, ou on ira peut-être à pied, on ira dans. Voilà. Pas très loin de la maison. Juste pour aujourd'hui et demain. Et puis on ira peut-être faire les courses du coup de la semaine. Enfin, du restant de semaine. Vendredi. À voir. Ouais, donc là, ce matin, je vais vous filmer une vidéo qui sortira du coup mercredi prochain. Ça sera une vidéo ménage. Vous êtes beaucoup à m'en réclamer. Et voilà, donc du coup, je vais vous faire un petit peu... En fait, je devais... depuis quelques temps, j'avais complètement laissé mes zones et tout. Là, je voudrais reprendre. Alors, ma maison a été propre, hein. Mais vous voyez, le ménage de zone, c'est plus le ménage de profondeur, comme je vous dis à chaque fois. Donc, grâce à la routine, tout était propre et tout. Mais ça avait vraiment besoin d'être un petit peu plus... voilà, par exemple, le four, voilà, les trucs comme ça, ça a besoin d'être fait. Comme cette semaine, on est à la zone de la cuisine. Voilà, je vais vous faire une motivation ménage de cuisine avec moi. Voilà, ça va être mon programme ce matin. Et cet après-midi, il faudra que je commence à monter le vlog puisque c'est le dernier jour aujourd'hui de se concentrer sur plusieurs jours. Et puis, il faut que je réponde à vos coms aussi sur la vidéo qui est sortie hier, donc sur les recettes, les trois idées de recettes de boulettes. Je suis contente, ça a l'air de vous avoir plu. Donc ouais, ça, c'est une vidéo où j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc quand on voit que ça plaît, ça fait plaisir. Allez, je suis pas motivée, mais il faut que je le fasse. Donc voilà, je serai contente quand... En fait, c'est juste le fait de se mettre dedans. Une fois qu'on est mis dedans, après ça roule. Il faut juste que... Voilà, allez. J'ai fait une petite pause sur mon ménage pour préparer le repas de ce midi. Je fais des croquettes de thon. En fait, tout simple, vous prenez une boîte de thon, 2 cuillères à soupe de yaourt, style yaourt grec, vous voyez. 1 cuillère à café de farine, 1 cuillère à soupe de chapelure, 1 cuillère à café d'aneth, du sel, du poivre et un œuf. Alors moi, c'est une grosse boîte de thon. Si vous mettez des petites, mettez-en 2. Mais autrement, ouais, c'est une grosse. Et on a juste à mélanger. On mélange bien bien la pâte et après on forme des croquettes qu'on fait cuire dans de l'huile. Je suis en train de percer l'œuf et du coup dans de l'huile, ouais, à la poêle ou au four, c'est possible aussi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est servir ça avec, vous voyez, la sauce des nems là, avec l'Union Hockman et la sauce poisson. C'est très très bon. Là du coup, petite salade tomate, non c'est pas, il n'y a pas de tomate, salade, concombre, poivron, olive, et j'ai fait du coup la petite sauce nem. Alors je ne sais pas si vous connaissez, pour la faire maison, c'est très simple. Une cuillère
à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 1 cuillère à soupe de nyokman, 4 cuillères à soupe d'eau, une gousse d'ail et un peu de piment flocon. Voilà, très simple à faire et très rapide et ça va très très bien avec les petites croquettes de thon. On dirait que le soleil est en train de revenir, je pense que vous n'allez pas voir grand chose, mais ouais. Alors, j'arrête le ménage pour aujourd'hui. C'est bon, j'ai eu ma dose. Je suis en train de tout vous filmer. Je vous filme exactement ce que je fais, les produits que j'utilise, le matériel que j'utilise. Voilà, j'essaie de qu'elle soit le plus complète possible. Alors, c'est ménage, motivation, ménage de zone de la cuisine. Donc, pour moi, c'est la zone 4. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses que j'avais pas fait depuis un moment, donc ça en avait bien besoin. J'avais mis de côté les zones en fait depuis 2 mois, on va dire. Donc ouais. Là, je voulais vous montrer un petit truc. Alors quand je fais mon ménage de zone, je nettoie tout ce qui est sur mon coin café, je nettoie mes cloches et tout, et j'en profite aussi pour nettoyer tout ce qui est carafe que je fais, vous voyez, dans laquelle je fais décanter mon eau pour le kéfir et le kombucha. Et là, j'ai à la force, comme on a une eau très très calcaireuse, on a un dépôt qui vient se mettre en fait dessus. Donc moi, je mets de l'eau chaude et je mets de l'acide citrique dedans, ça fonctionne très très bien. Je laisse un petit peu agir et après ben, tout il s'en va tout seul quoi, en fait. Hop. J'ai fait celle-là parce qu'il y avait tout des marques. Là, tu es en train de tout partir. Alors, j'ai laissé un peu agir, je vous montre. Ah, vous voyez, il n'y a plus rien. Tout est parti. C'est nickel pour tout revoir à chaque fois. Aïe. Petite pause, enfin pas vraiment petite pause parce que je vais aller bosser. J'ai l'impression de ne pas avoir arrêté cette semaine. Alors j'espère vraiment que ce vlog du coup sur une semaine aura été intéressant, parce que c'est le dernier jour aujourd'hui et je me rends compte que j'ai passé énormément de temps soit à filmer du contenu ou soit à bosser sur le PC. Donc ouais, à part on verra au montage, c'est justement ce que je vais commencer à monter. Donc kombucha et puis un carré de chocolat noir avec mes deux petites noix du Brésil. J'essaie de tenir bon, j'en prends 2 par jour. Comme je vous ai dit, c'est riche en sélénium et il y a des bienfaits en fait dedans. Moi, c'est surtout pour réguler mes sauts d'humeur. Vous voyez, enfin mes émotions, mais pour essayer d'eux, parce que c'est bon pour ça, pour tout ce qui est le stress, les choses comme ça. Donc on verra, mais là j'ai l'impression, parce que je vais rentrer dans ma mauvaise période là, et donc ça régule aussi tout ce qui est hormones et tout. Et j'ai l'impression que je me sens moins sujette justement à... Souvent d'habitude je suis un peu mélancolique, j'ai pas la motive, je suis... vous voyez quand ça arrive là, et là pour l'instant je suis pas trop, ça va. Je suis un peu... faut pas que Greg me titille un peu trop parce que je vais... voilà, mais je vais vite m'énerver, vous voyez, les choses m'agacent plus facilement et tout. Enfin je pense qu'on est beaucoup de femmes hein, comme ça. Alors, en fonction de notre moment du cycle et enfin les hormones jouent énormément sur notre état émotionnel. Et là j'ai l'impression que, alors ça va faire une bonne semaine que j'en prends 2 par jour. Je sais pas si ça se joue déjà, mais alors pour ça, à savoir, c'est que 2 petites noix comme ça, donc c'est des noix du Brésil, ça correspond à 56% en fait de nos besoins. Donc après le reste il est couvert par notre alimentation, mais il n'y a pas beaucoup d'aliments qui sont riches en sélénium. Donc du coup on en mange souvent. Donc en mangeant ça, ben, ça équilibre un peu les choses. En mangeant 2 comme ça, ça équilibre un petit peu les choses. Alors c'est un petit peu cher à l'achat, mais comme vous en mangez que 2 par jour, ça va très longtemps en fait avec un paquet. Alors après il ne faut pas en manger plus que 2 par jour, parce qu'autrement arrive un moment, ça peut être toxique quand vous en mangez. Alors il faut en manger beaucoup, hein, mais si vous en mangez mettons le paquet ou 500 grammes, voilà, vous risquez 2. Mais autrement... voilà, c'est bon, bon pour nous. Greg est rentré. On va aller faire nos 2-3 courses. Là, j'ai commencé un petit peu le montage de la vidéo. Et ça va, j'avais un petit peu peur que la vidéo soit un peu... Mais ça va, ça va, vous me direz. Alors, on va faire les courses. On va aller chercher juste de quoi pour ce soir. Ce soir et demain midi. Et logiquement, demain après-midi, on récupère la voiture, on pourra aller faire les courses. Hein ? Oui, après ça dépend à quelle heure on la récupère. Bon, allez, on y go.
Je vous avais dit qu'on aurait été à Grand Frais, moi pas du tout, on a été à Lidl. Alors, on a dû chercher quoi faire. Demain, je vais faire une salade avec du saumon fumé et puis de la mâche et des lentilles. Et ce soir, je vais faire une salade en quartier iceberg avec des... J'ai pris des petits poivrons pour manger avec salade des tomates. Enfin, les petits poivrons, c'est pour ce soir. Parce que j'ai pris un chèvre crémeux comme ça pour manger. Une boîte de lentilles. Et oui, on a pris, hop là, des brochettes de poulet qu'on va faire du coup au barbecue. Voilà, donc on a pris. J'espère que la voiture, on l'aura demain pour qu'on puisse aller faire des grosses courses. Enfin, il y a encore des grosses courses. Je pense qu'on fera juste les courses de la semaine et après on verra fin de week-end. Puis on verra. Début de semaine. Du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une salade en quartier. Il y a une recette comme ça sur le blog, si ça vous dit, avec du gorgonzola. Mais là, j'en avais pas, donc j'ai fait style salade César. Il y en avait pas non plus à Lidl, donc j'ai fait une vinaigrette César. J'ai rajouté du coup ma salade. Je l'appelle salade en quartier parce que vous voyez, c'est coupé. Je fais ça avec l'iceberg. Je coupe des gros quartiers. Donc, hop. Je mets la sauce, j'ai mis des petites tomates, du sel, du poivre. Je vais rajouter des petits croutons maison. Et j'ai fait un petit peu de lard que Greg fait maison. Alors vraiment un tout petit peu, hein, juste pour avoir un petit peu... il y a quoi, deux cuillères à soupe. Un petit peu de croustillant et un peu de goût de fumée au-dessus. Alors, je rajoute du coup les petits croutons. Et puis je vais mettre les petits morceaux de bacon. Elle est faite et au niveau de l'accompagnement, donc c'est avec les brochettes de poulet. Et j'ai coupé du pain au levain. Mon pain au levain en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a, mais il est pas top. Encore une fois, c'est tout rien. En fait, je pense que je manque de temps pour m'en occuper et du coup, je le fais pas, je fais pas bien les plis, etc. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup là, je l'ai coupé en tranches. Vous voyez, il est pas bien levé. La mie, elle est un peu dense. Je l'ai coupé en tranches et je vais rajouter, alors c'est de l'huile d'olive mélangée avec du pesto et de l'ail. Et je vais peut-être rajouter aussi un peu de sel dedans et un peu de poivre. Et je vais mettre sur le dessus du pain. Voilà. Bah, on a fini de manger. Je suis venue dehors. Un petit peu, j'ai mon jasmin qui est tout en fleurs. Par contre, je suis dégoûtée, j'en ai pas profité du tout. Ah, ça va. Le chèvrefeuille, j'étais en train de me dire, il est en train de faner, mais non, il est en train de faire plein de nouvelles petites fleurs. Cette année, il a vraiment été très très beau. Mais on n'en a pas encore profité puisque il pleut. Quoique là aujourd'hui ça a été, ça s'est remis et logiquement ils remettent, le beau temps revient. Ça y est, tu te sens partir? Vas-y. Il est l'heure d'aller au travail. Courageux. Surtout que pour lui c'est pas la dernière demain. Puisque vendredi il travaille encore de nuit. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, donc du coup je vais clôturer cette vidéo et demain je commencerai la vidéo du coup du week-end que vous aurez lundi. Allez, je vous fais des bisous, passez un très très bon week-end, profitez bien de, logiquement le soleil revient dimanche, donc profitez bien du soleil et je vous fais des bisous, bisous à lundi. I don't know anybody that could compare to you, the way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.